Vous êtes toujours dans le territoire à Saint-Rémy-de-Provence, marqué par la présence du peintre Vincent Van Gogh, on l'évoquera en détail tout à l'heure. La ville a côtoyé d'autres noms illustres, et notamment celui du célèbre médecin astrologue Nostradamus, qui a vu le jour ici le 14 décembre 1503. Alors nous nous trouvons dans la rue Carnot, qui est la rue principale de Saint-Rémy, et nous arrivons à une fontaine, la fontaine Nostradamus, qui est surmontée d'un buste de Nostradamus depuis 1859. Il y a eu un buste de Louis XVI, hein, mais encore une fois, changement d'époque et changement de décor. Aujourd'hui, c'est Nostradamus qui trône ici. Sa maison natale se trouvait dans la rue des Remparts, au sud de Saint-Rémy. Il s'est fait connaître notamment après les centuries, les prédictions qu'il a écrites en 1555. Il n'a pas seulement écrit ses prédictions, il a également écrit des choses amusantes comme le traité des forts de Mons et Confitures. Amusantes parce que les prédictions ce sont des pluies de feu, des feux terribles, des incendies, enfin, c'est assez catastrophique. Donc je préfère vous lire quelque chose sur le traité des phares de Mons et Confitures. Alors il avait notamment écrit des recettes de phares, de parfums. Il y en a une qui s'appelle le sublime. Alors le sublimé, c'était pour le blanchiment de la face et la conservation du corps tout entier. Et il disait, alors tout est écrit bien entendu en français du XVIe siècle, hein, ça a été retraduit. Il disait, il faut en prendre le poids de 10 onces, le pulvériser subtilement, le mélanger à la salive d'une personne à jeun qui aura demeuré 3 jours à manger aux et oignons sans vinaigre ni verjus et en le broyant incessamment. Et il disait, quand il sera bien trituré, lavé et dissous en eau de fontaine et non point de pays, vous le mettrez dans un petit tupain de terre et le ferez bouillir sur des charbons le temps de dire 2 paternostrés et 2 Ave Maria. Alors, Nostradamus avait intérêt vraiment à se protéger avec des Ave Maria, des paternostrés, parce qu'il était d'origine juive. L'époque du XVIe siècle, c'était une époque sanglante pour les huguenots, les juifs et tout ce qui n'était pas politiquement correct. Nostradamus était médecin quand même, hein. Donc il a passé beaucoup d'années à essayer de trouver des remèdes contre la peste et il avait justement élaboré un remède et il disait qu'il avait réussi à guérir des gens, notamment du côté d'Agen, où il avait vécu d'ailleurs, où il avait eu une première femme et 2 enfants qui sont morts de la peste. Ça fait partie des prédictions, hein. Le lion jeune, le vieux surmontera, en champ bellique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux le crèvera, 2 classes, une puis mourir, mort cruelle. Donc ça c'était en... Et effectivement Henri II est mort en 59. Et donc pour les défenseurs des prophéties, eh bien il y a bien eu un tournoi au cours duquel Henri II et Montgomery se sont affrontés. La lance de Montgomery s'est fichée dans l'arcade sourcilière de Henri II et il est mort dans d'horribles souffrances en ayant souffert 2 jours. Il est mort 2 jours après. Et donc on a dit que la cage d'or dont parlait Nostradamus, eh bien c'était le casque d'or que portait Henri II. Il y a quand même des centuristes comme ça qui, bon, tout est interprété bien entendu, hein. Alors il a quand même fait une prédiction assez étonnante parce que cette fois-ci il a mis date, ce qui n'était jamais le cas. Il a dit « Persécution des gens ecclésiastiques, plus grande à l'église chrétienne que n'a été faite en Afrique et durera d'ici jusque l'an 1792 que l'on cuidera être en rénovation de ce siècle. » Or, l'ère républicaine, ben, elle commence bien le 22 septembre 1792. Il avait prédit aussi la fuite de Louis XVI. Il avait dit « De nuit viendra par la forêt de Rennes, 2 parvoles tortes, Herne la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes, élu cap, cause tempête, feu sans tranche. » Donc tranche, on a pensé à la guillotine. Cap, on a pensé à Capet. Le Varennes, ben, c'est la forêt de Varennes qu'a traversé Louis XVI avec sa famille. Donc voilà, il y a des choses comme ça intéressantes à lire, mais bien entendu qui sont toujours interprétées. Mais il faut dire tout de même que Nostradamus était reconnu de son vivant, que quand il ouvrait ses volets à Salon, les gens se précipitaient pour savoir si c'était le bon jour pour planter les fèves, par exemple. Donc les gens lui demandaient des conseils. Et encore une fois, il avait été nommé médecin du roi et il avait obtenu un salaire, une pension de la reine Catherine de Médicis. Vous voilà plus savant sur quelques-unes des prédictions de Nostradamus. Eh bien moi, je vous prédis qu'entre vigne et garrigue, vos yeux et papilles éveillés vont déguster dans un instant un hélice de fin gourmet. C'est l'heure de notre rubrique recette du jour. Nous sommes cette semaine à Pujaut, dans le Gard.
Nous allons aller à la rencontre d'un artiste qui fait marier les saveurs. C'est une déclinaison de cèpes avec des textures différentes. Vous allez voir ça. Ce chef est un artiste. Serge Chenet va se présenter lui-même. Bonjour, Serge Chenet, meilleur ouvrier de France 1993, maître cuisinier de France, propriétaire du restaurant entre Vignes et Garrigues à Pujot dans le Gard, une étoile Michelin de Tokogo et Mio. Je vais vous préparer, aujourd'hui c'est la saison, une recette à base de cèpes. On va faire une déclinaison de cèpes avec un petit œuf poché à basse température, un coulis de persil et une crème de cèpes. Alors en ingrédients, des cèpes, en ce moment ils sont magnifiques donc on profite. Un peu de cèpe sec, éventuellement, si vous avez. Ça, on peut s'en passer facilement. Des œufs jours et des œufs qui soient bien frais. Un blanc de poireau, une échalote, un peu de fleur de thym, du persil plat en branche, du lait, un peu de crème et du fond blanc. Alors, nous allons commencer la recette par un cappuccino à la fleur de thym. Donc, il va nous falloir du lait. On va mettre un demi décilitre. Un peu de thym frais, qui est magnifique. Là, il a bien reverdi. Après la sécheresse de l'été, on va y mettre la valeur à peu près de 2 cuillerées de crème fraîche liquide et une noix de beurre. Et on va le laisser infuser après une vingtaine de minutes. Il n'est pas salé, on ajoutera un petit peu de sel et de poivre à la fin quand on va le goûter. Alors pour le coulis de persil, on va verser à peu près 1 demi-litre de fond blanc de volaille qu'on va laisser réduire un petit peu avec de la crème fluide toujours. Et on va le réduire de manière à bien corser notre base. On mettra un petit tour de moulin au départ. On rectifiera en fin de cuisson. Et ça, on va le réduire de manière à ce que ça prenne le, goût, le plus de goût possible. L'infusion de thym, on va la saler et poivrer. Là, c'est pas la peine de laisser réduire. Hein. C'est juste le lait infusé, un peu de crème et de beurre de manière à ce que quand on va passer avec le petit bain mix, ça émulsionne et que ça fasse de la mousse. Et ça, on va le laisser infuser, filmer comme ceci, de manière à ce que le thym dégage toute sa saveur. Tout son parfum d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Pendant ce temps-là, on peut démarrer nos cèpes. Un cèpe, la qualité, c'est toujours de presser le pied et la tête. Il faut avoir des champignons qui soient bien fermes, bien blancs en dessous. Pour nettoyer les cèpes, on va les gratter légèrement le pied. Ensuite, les passer sous l'eau, mais on va les passer le minimum. Il faut éviter que le cèpe il soit rempli d'eau, hein, parce que ça va altérer le goût. Hein. Donc tout ce qui est pied, on va les couper en brunoise pour avoir du cèpe, pour faire notre petite crème de cèpe et notre sauce. Et sous la tête, souvent, il y a de la mousse. On va retirer la mousse. On va couper les chapeaux des cèpes. En quartier, c'est bien quand on le fait un peu épais. Hein. Le cèpe, moi, j'aime bien quand on mâche qu'il y a de la texture. On peut également, si on veut, sur l'assiette, garder un demi-cèpe qu'on va cuire séparément. Comme ça, ça va nous donner du volume. Et remarquez, hein, quand j'ai mince, je me tais. Le plus dur, c'est de retirer les doigts au bon moment. J'ai mis des cèpes secs à tremper. Et ensuite, on va les mettre dans une casserole. On va les porter à ébullition. Pour retirer, souvent, il y a un petit goût d'amertume. Donc les cèpes, ils ont pris l'ébullition. On va les rafraîchir. On a le blanc de poireau qu'on va fendre en quatre, qu'on va laver, hein, parce que des fois, il y a un peu de terre. Donc les poireaux, on va émincer. C'est bien d'avoir une certaine régularité quand on fait ces choses-là. C'est important toujours au niveau du goût. Déjà, ça développe les arômes et les saveurs. Donc, dans une petite casserole, on va mettre une noix de beurre. On va mettre nos poireaux à suer. Hein. Alors, suer, c'est cuire légèrement sans coloration. Voilà, on a mis du beurre. On peut mettre une petite pointe d'huile d'olive également. Hein. L'huile d'olive, ça va toujours parfumer un petit peu hein, quand même. Bon, on va incorporer maintenant les cèpes. Alors, toujours le feu hein, réduit doucement. C'est pas la peine de brusquer. On va rajouter nos cèpes secs. On va ajouter, nous on appelle mouillé, c'est un terme culinaire. On va ajouter du fond blanc, un peu du bouillon de volaille, un peu de lait. La crème, s'il y a besoin, on en mettra un petit peu en fin de cuisson. Mais de manière à avoir une crème qui soit onctueuse, pas trop liquide. Déjà parce qu'on va se servir de ce mélange pour faire notre sauce sur l'assiette. Maintenant, on va mixer notre crème de cèpes. Alors attention quand on ouvre. Ça, genre de mixeur, il faut quand même bien mixer une minute. Hein. On va rectifier en sel, en poivre. On va ajouter de la crème fraîche. Donc voilà notre crème. Donc là, elle est assez épaisse. Donc ça, on va en garder une partie qui va nous servir pour mettre sur l'assiette.
et on va garder la seconde partie pour mettre dans la petite verrine. Alors là, on va mettre au bain-marie un peu de crème de cèpe. Vous voyez comment elle est onctueuse. On va mettre un petit film alimentaire dessus. On va la mettre directement sur le feu. Donc là, on va notre crème qui est un peu épaisse, hein, donc pour faire la crème de cèpe, on va rajouter du lait et de la crème. Et on va remixer juste pour obtenir un mélange homogène. Vous voyez la consistance d'une crème de légumes ou une soupe. Voilà. Ça, pareil, on va le mettre dans un bain-marie de manière à avoir tout de chaud au moment où on va vouloir dresser. Notre petit cappuccino de thym, on va juste filtrer de manière à garder que le lait. Et ça, au dernier moment, on va mettre un petit coup de mixeur de bain-mix pour que ça émulsionne. Voilà, et on va servir ceci. Alors, nous allons ciseler l'échalote. C'est important de ciseler finement de manière. Il va falloir qu'on ne la retrouve pas. Elle amène son goût, éventuellement un peu le croquant. Si vous mettez des gros morceaux, vous risquez d'avoir des morceaux qui vont rester en bouche. Et c'est toujours désagréable. Donc là, une petite noix de beurre. Donc le beurre, on va le faire légèrement fondre. Attention, pas de coloration. Hein. Et on va verser nos cèpes dans le beurre. À feu moyen quand même, hein. On va les faire suer. Les saler légèrement. Même pas de mouillement. Hein. Il est sec, il est sain. Il rend pas ça. C'est bien aussi quand on poêle un champignon. Plutôt que le jus, il sorte du champignon quand on le cuit. Ben là, il va rester, ça va s'évaporer, il va faire un concentré à l'intérieur. Et déjà, rien qu'on est, on sent qu'il y a l'odeur du cèpe. Hein. On va juste y ajouter un petit peu d'échalote et on va continuer à cuire délicatement notre champignon. Ça fixe le goût, mais l'échalote se marie très bien avec le champignon. Nos cèpes, du sel de cèpe, on va juste mettre une cuillerée de crème, juste pour un peu l'allier. Donc c'est bien chaud. Il faut les garder toujours un petit peu croquants pour le goût et pas trop les cuire. Donc là, on va arrêter la cuisson. Et on va les débarrasser sur une assiette. Alors là, on va faire nos cèpes rôtis. On va garder un beau cèpe en présentation sur l'assiette, qu'on peut éventuellement, si on veut rendre utile et agréable et faire joli, le quadriller comme ça. C'est bon griller aussi, hein, le cèpe. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Toujours une petite noix de beurre. Ça permet d'avoir une coloration et de faire dorer le cèpe. Dans une poêle, on va poêler nos cèpes qui sont escalopés et gros. Hein. Et dans l'autre, on va mettre nos cèpes, nos deux beaux quartiers de cèpes, pour la décoration. Ceux qui sont escalopés, ils viennent bien dorés. Donc là, on va les assaisonner légèrement, en sel et en poivre. Pareil, le cèpe, on va le laisser, là, il va cuire en très peu de temps. Il faut presque à la limite du cru et du cuit. Hein. On va y mettre un tout petit peu d'échalote. On va laisser cuire un peu l'échalote. Une petite minute. Regardez nos petits cèpes. Là, c'est pareil. Hein. Si vous les faites en tranches épaisses comme ça dans une poêle, vous voyez, regardez la couleur qu'ils prennent doucement. Voilà, elles ne sont pas cuites, mais c'est pour vous montrer. Ça... Sympathique, non? Là, il faut quand même 4-5 minutes, hein, pour qu'ils prennent la température à cœur et qu'ils cuisent. Hein. On va passer maintenant à la cuisson de nos œufs. Il va nous falloir du papier film, un bol. Donc, on va mettre le film à l'intérieur du bol de manière à obtenir une petite cavité. On va huiler le papier film. On va saler légèrement le fond du papier. Un petit tour de moulin à poivre. Et ensuite, on va casser nos œufs sur le papier film. Donc, on va réunir les angles du papier film. On va former une petite bourse avec l'œuf qui est à l'intérieur. Et on va fermer ici. On va mettre nos œufs en cuisson, donc une casserole d'eau à ébullition. Et on va mettre nos œufs à l'intérieur. Donc on va donner un petit tour comme ça avec la cuillère pour faire tourner nos œufs. Vous voyez, un gros volume d'eau. Hein. Bon, on aurait pu, dans un volume comme ça, on peut mettre 8 œufs à peu près. Hein. Et on va attendre gentiment 8 minutes de cuisson. Ensuite, on va les rafraîchir dans l'eau froide avec de la glace. Alors ça, l'avantage, c'est que vous les allez mettre, si vous pouvez faire la veille, hein, c'est pas un souci. Ça, vous le mettez au réfrigérateur, une fois qu'ils sont bien rafraîchis. Et le lendemain, vous allez les replonger dans de l'eau bouillante pour les remettre à température. On coupe avec une paire de ciseaux. Et ensuite, avec une cuillère, on va retirer délicatement le papier film, juste en faisant glisser. Voilà, vous avez la fleur d'œuf. Là, on va faire maintenant notre coulis de persil. On peut mettre quelques gouttes de jus de citron
toujours pour relever un petit peu en acidité. La sauce, voilà. Il va nous falloir un petit peu de persil qu'on va légèrement ciseler, donc on va débarrasser dans un petit bol. Voilà. Et le reste du persil, on va le concasser en gros morceaux. Alors là, c'est pas un problème, on peut même mettre la base de la queue. On n'est pas avare sur le persil. Très bon pour la santé en plus. Notre base, donc, qui est réduite, qui est à point. Et là, on va, à ébullition, plonger notre persil. Alors nous, on a le potager dehors, donc du persil, on en a. Hein. Donc là, on va juste une ébullition, le persil. Hein. Ça, c'est très important, sinon vous allez avoir une sauce qui va avoir une couleur marron. On va laisser bien revenir à ébullition. Donc pareil, dans le mixeur. Et là, on va faire du bruit pendant un petit moment. Voilà notre sauce persil. Donc, qui a gardé toute sa couleur. Il n'y a même pas besoin de le passer au tamis. On va la remonter un petit peu, juste la lier un petit peu au beurre au dernier moment. Et en plus, nous, on va exploiter que la crème dessus. Donc, on va passer au bas mix. On va garder juste la petite mousse dessus. Au dernier moment, juste avant de dresser, on va mettre un petit peu de persil sur nos champignons. Voilà. Et après, on coupe le feu. Et on est prêt pour dresser. Donc la crème de cèpe, nous on a des ustensiles qui aident bien. La crème de cèpe, on va surmontrer notre verre d'une petite... Et on va mettre la petite paille. Alors on va cercler la duxelle avec un petit cercle en inox. On va presser légèrement. Voilà, c'est pour avoir un travail régulier, mais sinon, voilà. On va mettre délicatement la sauce, voilà, en deux traits. On s'amuse un peu. L'œuf, on va le poser sur notre base. Voilà. Donc notre cèpe qu'on a rôti délicatement, on va le poser ici sur l'assiette. Les cèpes que l'on a rôtis, on va en prendre quelques-uns. On va les mettre délicatement sur le bord de l'assiette. Alors, notre mousse de persil que l'on va parsemer sur l'assiette. Quelques gouttes d'huile d'olive sur l'œuf. Alors, voici la déclinaison de cèpe avec son œuf poché et son cappuccino de persil. Bon appétit! Je vous l'avais dit, un délice pour les yeux. Tous nos compliments au chef Serge Chenet, à son épouse et à son fils en coulisses. Autre couleur, autre texture, nous terminons notre balade à Saint-Rémy-de-Provence, sur les pas de Vincent Van Gogh. Il est arrivé le 8 mai 1889 et il est resté jusqu'en mai 1890. En un an, il a fait 150 tableaux. Donc, on propose des visites guidées à Saint-Rémy dans les lieux peints par Van Gogh parce qu'on a cette chance ici de pouvoir encore se promener dans les pas de Vincent Van Gogh. Tous ces champs sont privés, ils appartiennent à la clinique. Et puis, le grand champ qui est là-bas derrière moi n'est pas constructible parce que dans le sous-sol, il y a des carrières de calcaire. Donc, on a cette chance de pouvoir toujours aujourd'hui se balader dans ses pas. Et je vous montre quelques tableaux parce qu'il en a donc fait 150 et on peut, c'est magique ici, retrouver les lieux qu'il a peints. Là, on aperçoit la pente de la montagne, on la voit ici dans son tableau. Il peignait les Alpes en bleu toujours. Le ciel en jaune soleil ici, c'est le jaune des tournesols qu'il avait peint à Arles avant de venir ici. Ce qui a attiré Van Gogh en Provence, c'est Adolphe Monticelli et ses tableaux lumineux. Et il rêvait justement d'autres paysages, d'autres couleurs pour renouveler son inspiration. Alors on voit effectivement des couleurs éclatantes ici. Il a peint la cueillette des olives. Il vivait vraiment en harmonie avec les gens ici. Il faisait très souvent des paysans d'ailleurs. Il aimait beaucoup les gens humbles. Et il disait qu'il préférait peindre des yeux humains plutôt que des cathédrales. Et il disait qu'il était comme les paysans, qu'il passait des journées entières à travailler seul dans les champs. Et il disait même « je laboure mes toiles comme eux dans leurs champs ». Et sa littérature est pleine de poésie, pleine de vocabulaire aussi, parce qu'il était quand même hollandais. Ses lettres étaient toutes écrites en français d'ailleurs. Elles ont été traduites ensuite par sa belle-sœur, qui était la femme de son frère Théo, Johanna Bonger.
une série de reproductions ici dans l'allée qui sont de très belle qualité. Et là, on retrouve ce fameux tableau de Vincent Van Gogh qu'il a fait dans le parc, à l'intérieur. Et vous avez vu qu'il est signé en bas à droite, vous voyez marqué Vincent. Quand Van Gogh était satisfait de son tableau, quand il considérait qu'il pouvait être exposé et puis vendu, eh bien, il le signait. Et alors, il signait Vincent, mais pas Van Gogh. Van Gogh, c'était un peu difficile à prononcer, Van Gogh en hollandais. Et quand il était ici, il parlait le français, il écrivait en français à son frère Théo, parfois trois fois par jour, et puis il lisait des livres en français, et il signait Vincent, qui est un prénom français. Petite chambre qui est une réplique de la chambre de Vincent Van Gogh, qu'on ne peut pas visiter puisque c'est une chambre qui doit être toujours occupée par des malades aujourd'hui, dans le bâtiment attenant à cette ancienne abbaye Saint-Paul de Mosol. Vincent expliquait exactement le décor de sa chambre, il expliquait exactement sa vie quotidienne, et on a toutes ses lettres, on a gardé toutes ses lettres grâce à Johanna Bonger, sa belle-sœur. Et ici, vous avez un grand champ de blé qu'il a peint depuis sa chambre, en disant que heureusement il oubliait les barreaux, parce qu'il y a des barreaux aux fenêtres ici, et évidemment s'il avait peint ses barreaux, ben, il y aurait des barreaux plein le champ de blé et plein la nuit étoilée également. Et il écrivait à propos de ses tableaux, il expliquait tout, avec beaucoup de poésie parfois, et là il disait à propos de celui-ci, « Je lutte avec une toile toute jaune, un faucheur qui lutte en pleine chaleur pour arriver à bout de la moisson. J'y vois l'image de la mort dans le sens que l'humanité serait le blé qu'on fauche. Mais dans cette mort, rien de triste, cela se passe en pleine lumière avec un soleil qui inonde tout d'or fin. » Ce qui frappe justement dans la peinture de Vincent Van Gogh, c'est cet éclat dans les couleurs, cette luminosité. Outre la visite du magnifique monastère de Saint-Paul, chef-d'œuvre de l'art roman provençal, vous découvrirez dans ce parcours dédié à l'artiste des écrits et des reproductions. Vous entrerez dans l'univers réel ou imaginatif de Vincent Van Gogh. Cette période saint-rémoise est considérée comme majeure dans l'œuvre de l'artiste. C'est ici qu'il a peint les iris, la nuit étoilée, autoportrait. Il a quitté Saint-Rémy de Provence en mai 1890 et c'est un peu plus de 2 mois plus tard qu'il est mort à Auvers-sur-Oise. On se retrouve évidemment dès vendredi prochain dans Territoire pour une nouvelle aventure. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images et Mathilde Duvillier qui nous a servi de guide tout au long de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs revoir Territoire sur notre site www.tvsud.fr et laisser vos commentaires sur notre page Facebook. On les lira avec attention. Bonne semaine à tous, baladez-vous bien dans notre belle région du Sud et je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain dans Territoire. Ciao, bye.